Allez, salut, salut les amis, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital. Comme je vous avais dit déjà, que j'allais faire une vidéo pour que vous puissiez au moins savoir un peu comment ça se passe, comment est-ce qu'on postule à cette bourse de l'université de Belgique, voilà, l'université Gent. Donc, pour vous montrer un peu, j'ai décidé comme ça de faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on postule pour ne pas que vous essayez de me poser des questions à chaque instant. Donc, on va faire ce que nous pouvons faire, voilà, pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Mais comme je vous ai dit, cette bourse-là, ça concerne que le master. Voilà. Donc, si vous voulez postuler, il faudrait avoir déjà la licence. Voilà. Il faut avoir d'abord la licence et puis vous allez pouvoir vous lancer. Et à ce qui concerne l'inscription, c'est hyper gratuit. Donc, si vous voulez postuler, voilà, ça, vous devez le voir sur le site pour pouvoir mieux le faire. Donc, dans un premier temps, ce que vous devez savoir, c'est qu'on va d'abord chercher à avoir une admission. Et une fois qu'on a une admission, voilà, on va recevoir un lien ou bien on va prendre cette admission-là pour pouvoir postuler à la bourse maintenant. Donc, c'est l'interface qui est là. Si vous voyez bien ici, il y a connexion, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore enregistré sur le site. Donc, après, on va s'enregistrer pour pouvoir d'abord commencer. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on va, on va voir? On va aller voir rapidement les informations qui s'y trouvent pour ne pas être dépaysé. Donc, vous venez d'un futur étudiant ici, vous cliquez là. Voilà. Ça vous envoie sur la plateforme qui est là. Et arrivé là, vous voyez un peu, il y a des éléments, choisissez votre programme et tout ça. Mais nous, on va aller un peu plus vite. Donc, on va choisir ici candidature pour les étudiants en licence. Et n'oubliez pas, les étudiants qui veulent faire la licence aussi peuvent postuler pour une admission. Ça n'engage que vous. Vous pouvez voir sur le site qui est là pour pouvoir postuler à une admission. Ou bien, si vous voulez aussi, vous pouvez m'écrire inbox pour voir comment est-ce qu'on postule à une admission ici. Voilà, donc, une fois que vous arrivez sur la plateforme ici. Vous voyez ici, ils ont mis admission, diplôme et exigences linguistiques. Voilà. Et ici, on va voir les exigences linguistiques un peu pour voir avant de pouvoir chercher à postuler. Ici, structure de. Avant de commencer la candidature en ligne, il est important de bien connaître les conditions d'admission que vous devez remplir, connaissez votre choix, bien informé. OK. Et ici, structure. Ici, choix d'études, il est important de faire votre choix motivé. Ok, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Ici, conditions d'admission académique, exigences linguistiques. Voilà, donc c'est ici pour ceux qui ne savent pas si c'est l'anglais qu'ils vont étudier ou pas et tout ça. Je répète encore. Donc, ici, en bref, tous les programmes de licence sont enseignés en néerlandais, à l'exception du bachelor, application. Ça, c'est pour. Les universités de Bruxelles, voilà, ça c'est pour l'enseignement dans les Flandres, voilà, donc ça c'est pas un souci. Condition d'admission, ici l'anglais est la langue d'enseignement dans certains nombres de programmes de master. L'anglais, la langue commune dans les écoles de doctorat est l'anglais. Voilà, donc moi, comme je vous ai dit, pour la bourse là, le doctorat n'est pas concerné, voilà, donc pour nous, ça c'est pas un problème. C'est pas un souci. Donc, on va aller rapidement ici pour venir voir un peu comment est-ce que vous devez faire afin. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pour les Flandres. Donc, nous, on va venir ici. Procédure standard pour les étudiants internationaux. Voilà, donc. Ici, ok, dans un premier temps, assurez-vous de remplir les conditions d'admission. Donc, voici les conditions d'admission. Et en même temps, il y a un petit message ici qui vous concerne. Attention, gardez à l'esprit qu'une demande de bourse et une demande d'admission à l'UGEN sont deux choses très différentes. C'est ce que je vous ai dit. Il y a d'abord la demande d'admission. Et lorsque vous allez avoir maintenant l'admission, vous allez maintenant utiliser les éléments qui sont sur l'admission pour pouvoir postuler maintenant à la bourse. Vous comprenez? Donc, la demande de financement ne signifie pas que l'université de Gent a reçu votre candidature. L'octroi d'un financement n'implique pas que vous avez été accepté à l'université Gent. Voilà, donc ça, je vous explique un peu plus rapidement. Vous savez, comme ils ont dit, par exemple, comme ça, que c'est deux choses différentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un étudiant peut avoir une admission dans l'université, mais ne peut ne pas obtenir ne peut pas obtenir une bourse. Vous comprenez? Vous pouvez avoir une admission dans l'université et vous n'obtenez pas de bourse. Ou bien, vous pouvez obtenir une bourse avec les documents que vous avez, mais vous ne pouvez pas obtenir une admission. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans la première partie, en fait, l'élément n'est pas réciproque. Dans la première partie, c'est-à-dire obtenir une admission
et postuler pour une bourse. Ça, c'est différent. Mais une personne qui obtient une bourse, vous comprenez que cette personne-là, peut-être directement, c'est parce que cette personne a été obtenue dans une université, c'est-à-dire a obtenu une admission. Donc, l'élément n'est pas réciproque. Donc, c'est la première version qui n'est pas vérifiée. Mais la seconde version, elle est vérifiée. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez eu une bourse, ça veut dire que vous avez déjà une admission, donc vous tentez d'étudier. Mais si vous avez eu une admission, ce n'est pas obligatoire que vous ayez une bourse. Voilà, donc j'espère que vous avez pigé la chose. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, ici, arrivé là, on va voir la condition d'admission pour ceux qui veulent, par exemple, comme ça, postuler. Ok, donc ici, on les a encore avec les éléments différents, comme ce que je vous avais dit. Et vous avez dit que même si vous n'allez pas, par exemple, comme ça, vous n'avez pas un certificat en anglais, tous les éléments que vous allez mettre en ligne, vous comprenez, doivent être en quatre langues, c'est-à-dire en néerlandais, ou bien en français, ou bien en anglais, voilà, ou bien en allemand. Donc, à part ces quatre langues-là, si vos éléments sont dans d'autres langues, alors vous serez obligé forcément de les traduire en anglais. Ok, donc ici, on va vérifier directement la date limite de candidature pour ne pas aller trop vite en besogne. Ok, donc la candidature est lancée. La candidature est lancée entre octobre et mars. Voilà. Donc, présenter une candidature avant le 1er février. Donc, la date limite, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est le 1er février. Le 1er avril, excusez-moi. Le 1er avril. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, ici, vous postulez pour un programme de néerlandais et vous devez également suivre l'année préparatoire néerlandais à l'USC. Donc, pour ceux qui vont postuler, par exemple, comme ça, et que cette faculté-là étudie ou bien enseigne en néerlandais, alors vous serez maintenant obligé de faire quoi? De faire une année préparatoire en néerlandais avant de pouvoir continuer à étudier. Voilà, donc au moment où une personne qui a choisi une faculté qui enseigne en français et que vous choisissez une faculté qui enseigne en néerlandais, vous comprenez que la personne va commencer ses cours alors que vous serez encore en train de chercher à avoir un diplôme en langue néerlandais avant de pouvoir continuer, avant de pouvoir commencer votre cours. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas besoin de visa. Voilà, parce que la Belgique est liée par des liens diplomatiques à des pays qui n'ont pas besoin de visa pour s'y rendre. Voilà, ça, c'est pour ceux qui ont les visas et puis c'est pour ceux qui sont une grande quantité de personnes qui doivent aller étudier avec un visa. Ok, votre candidature doit être complète et soumise avant la date limite. Nous acceptons les documents numérisés pendant la procédure de candidature, mais sachez que le bureau du registre peut vous demander de remettre et de présenter vos documents de candidature originaux à tout moment pendant le processus de candidature ou d'inscription. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas être inscrit. Voilà, donc c'est vrai que vous allez mettre les éléments, vous allez scanner les éléments pour mettre en ligne et tout ça, mais une fois que vous mettez en ligne, si votre dossier est intéressant, il peut vous dire comme ça de faire parvenir vos originaux, voilà, de les montrer. Vos originaux ou bien de faire parvenir via la poste et tout ça. Voilà, donc si vous ne respectez pas ce qu'ils vous demandent, alors vous ne serez plus dans leur viseur. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, on va essayer de lancer la procédure ici. Et ici aussi, il y a légaliser vos documents. On va d'abord revenir sur lancer la procédure. Voilà, donc pour lancer la procédure, dans un premier temps, ils vont nous demander d'abord de nous inscrire sur le site. Voilà, et après cela, on va faire quoi? On va maintenant essayer de postuler à l'admission. Donc, pour pouvoir faire une demande d'admission, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, cette procédure n'est pas applicable au doctorant. Vous comprenez? Ce qu'on va faire là n'est pas applicable au doctorant. Cette procédure n'est pas applicable au doctorant. La procédure de candidature est toujours lancée par le directeur de thèse. Aller à la recherche doctorale pour les informations. Donc, pour le doctorat, c'est un peu plus délicat. Vous allez aller là et puis vous allez voir ce qui suit. Voilà. La procédure n'est pas applicable et ceux qui veulent faire le doctorat, ils peuvent nous contacter et puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour les aider. Cette procédure n'est pas applicable aux étudiants d'échange. Bon, ça ne nous intéresse pas. Ok, avant de commencer l'application en ligne, veuillez d'abord lire les informations ci-dessous. Tenez compte du fait qu'il y a un délai, oui. Vous devez soumettre votre document de candidature. Vous pouvez postuler à une année académique spécifique. Vous ne pouvez pas postuler pour un semestre. Ok. Vous devez télécharger. J'espère que ça vous comprenez.
Voilà, j'espère que ça vous comprenez. C'est-à-dire que vous devez avoir votre diplôme et postuler pour un semestre. Si vous voulez faire, par exemple, comme ça, le master, vous devez avoir votre licence pour venir faire le master. Mais vous ne devez pas faire la première année de master ou bien, je vais dire, le premier semestre de master et chercher à faire le deuxième semestre de master. Ça, c'est pas possible. Vous devez télécharger votre diplôme et votre relevé de notes en format PDF. Les candidatures sont individuelles. Un numéro de dossier est attribué à chaque demandeur. Le traitement de votre candidature peut prendre en moyenne 3 mois. Vous comprenez? Après que vous ayez soumis votre candidature complète. Donc, 3 mois pour pouvoir attendre les résultats. Ok. Donc, maintenant, on va voir les documents qu'il faut. Voilà, si je lance la procédure, on sera obligé de commencer. Donc, je ne vais pas lancer la procédure. Je vais voir directement les documents qu'il faut pour que vous puissiez au moins chercher à les avoir et chercher à postuler. Votre demande complète, y compris les documents légalisés, doit être reçue par le bureau du OK. Ça, c'est pas un problème. Dans un premier temps, l'inscription à UGENTO, c'est ce qui est très important. L'inscription à UGENTO est gratuite. Vous comprenez? C'est hyper gratuit. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous fatiguer, à part si votre faculté que la faculté dans laquelle vous postulez, voilà, demande des frais. Sinon, à 98%, 99%, l'inscription est hyper gratuite. Voilà, donc ceux qui veulent postuler, c'est vraiment le moment de le faire. La liste ci-dessous est un aperçu selon le programme auquel vous pouvez postuler et d'origine et l'origine de votre diplôme. Vous devez fournir un document spécifique, c'est-à-dire une copie légalisée de votre diplôme de base et son relevé de notes ou simplement au diplôme. Les informations détaillées sont disponibles sur la page de la législation. Ok. Et après cela, j'espère que vous comprenez déjà. Oh, il y a longtemps que vous me suivez sur YouTube. Pour ceux qui me suivent il y a un peu longtemps, ils savent de quoi je parle quand je parle de copie légalisée parce que j'ai expliqué à chaque instant. Une traduction de ces documents en néerlandais, français, allemand ou anglais, traduit par un traducteur assermenté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vos documents ne sont pas dans ces quatre langues-là, vous devez les traduire dans l'une de ces langues. Mais ce que moi je vous conseille, c'est l'anglais. Voilà. Si vous n'avez jamais étudié dans une université auparavant, le formulaire de déclaration d'accès licence universitaire dans les pays où le diplôme a été délivré afin d'accès à un programme de licence de quinte correctement rempli. C'est-à-dire que vous devez. Si vous n'avez jamais postulé, ici on dit, si vous n'avez jamais étudié dans une université auparavant, le formulaire, voici le formulaire. Ok, ici je vais revenir un peu dessus pour mieux vous expliquer. Une copie de votre passeport, pour la plupart des candidats, s'il s'agit d'un passeport international, si vous êtes de l'UE, la carte d'identité locale peut également être acceptée. Donc, comme je disais, ils ont déjà des programmes diplomatiques avec l'UE, avec l'Union européenne, donc là-bas, c'est pas un problème avec eux. Mais nous avons besoin forcément d'un passeport, voilà. Et ici, on dit quoi? Le supplément au diplôme ou équivalent, il s'agit d'un aperçu de tous les cours suivis avec les résultats obtenus, les nombres de périodes d'enseignement. Si aucun supplément au diplôme n'est délivré par une université, vous devez ajouter le programme d'études officiel, c'est la liste, ok, décrivant le contenu des matières. Bon, ça, vous savez déjà, ça, ce n'est pas un problème. Donc, si vous avez, par exemple, comme ça, vos relevé de notes et tout ça, ça va faire l'affaire. Web d'inscription officielle de cours est disponible. Elle peut également être ajoutée. Si le supplément a été ajouté dans le contexte scolaire, vous n'avez pas besoin de télécharger une seconde fois. Ok. Si vous êtes un réfugié, une lettre originaire indiquant que vous êtes un réfugié. Ok. Preuve de maîtrise de le néerlandais ou bien l'anglais, selon le programme. Donc, si vous choisissez un programme, c'est ce que je vous avais dit. Si vous choisissez un programme qui se situe en néerlandais, vous allez d'abord faire une année de cours en néerlandais avant de pouvoir commencer les cours. Vous comprenez? Maintenant, si vous postulez pour un programme en anglais, vous allez aussi montrer un certificat en anglais avant de pouvoir commencer les cours. Si vous choisissez un programme qui se trouve en français, alors vous allez postuler aussi en français sans traduire un élément ou bien sans envoyer un certificat de langue. Vous comprenez? Ce document est à remettre au plus tard lors de l'inscription. Ok, candidat chinois, ça c'est pour les chinois. Ok, donc on va prendre ça comme ça. Ici, une fois votre candidature retenue, parce que une fois que vous avez retenu, vous avez obtenu votre candidature, vous recevez une lettre d'admission. Voilà,
qui dit que vous avez eu une admission et que votre dossier a été retenu. Cette lettre vous permet de faire quoi? De faire une demande de visa, une demande de bourse, voilà, c'est ce qui est important pour nous, une demande de bourse. Faire aussi une demande de logement de résidence universitaire de Kent, s'inscrire à l'année préparatoire néerlandais pour ceux qui vont choisir la faculté de néerlandais et s'inscrire aussi en tant qu'étudiant à l'université Gate. Voilà, donc la lettre d'admission mentionnera les informations suivantes, vos coordonnées et numéro de dossier, c'est-à-dire la référence, le programme auquel vous voulez postuler, vous êtes admis, la date à laquelle vous allez commencer, la date académique à laquelle vous êtes admis, informations sur les inscriptions, comment est-ce que vous allez venir y aller et aller y étudier. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est comme ça. Donc pour ceux par exemple comme ça qui vont choisir des cours en anglais, qui pensent qu'ils n'ont pas de certificat en anglais, qui cherchent aussi des cours en français et qui ne trouvent pas des cours en français, je vous conseille comme ça de choisir des cours en néerlandais. Et si vous choisissez des cours en néerlandais et que vous avez la bourse, vous allez venir étudier ici en langue néerlandaise, seulement que vous allez commencer à faire d'abord le cours en néerlandais avant de pouvoir chercher à postuler, avant de pouvoir chercher à suivre vos cours. Donc ici, nous on va démarrer l'application ici. Cliquez sur démarrer l'application. Donc dans un premier temps, ils vont nous demander comme ça de faire quoi? De chercher à nous inscrire sur le site. Et après cela, voilà, on va comme ça chercher maintenant à faire quoi? À postuler à l'admission. Donc nous, on arrive là. Ici, c'est pour ceux qui sont déjà là-bas ou bien ceux qui ont déjà un compte. Maintenant, nous qui n'avons pas de compte, qu'est-ce qu'on vient? On vient, on clique ici, Register by creating an account. Donc, ici, vous cliquez sur Register. Et vous allez voir cette case-là. Ok. Donc, ici, on défile le captcha. Attends, je vais mettre en français. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, ici, on nous dit remplissez le captcha. Votre adresse email dans le cas. S'inscrit ou vous connectez. En fonction de votre adresse email, vous vous retrouverez dans l'une de ces situations. Si vous avez un compte scolaire ou Microsoft, Hotmail, LiveOut, vous pouvez connecter ce programme aussi. Si vous avez un compte Google, connectez-vous avec Google. Dans les autres cas, vous recevez un mail avec un code. Remplissez ce code dans l'écran de connexion. Donc, on va mettre notre mail. Voilà. Et puis, on va recevoir un message et puis on va l'utiliser pour pouvoir continuer. Donc, le mail, je vais prendre toujours le mail là. Ici. Ok, donc ici je vais recopier ce qui est là, c'est HGA, je crois que c'est la fin, c'est J, c'est J qui est à la fin, si c'est pas le cas, ok, on va reprendre. Donc s'inscrire ici, vous allez recevoir un message directement sur votre plateforme, sur votre mail, voilà, et comme c'est ça, HGAE. J. Ok, donc vous cliquez sur s'inscrire et il y a un chargement là. Ok, on me dit de me connecter à mon compte. Donc, ok, donc je vais comme ça aller dans mon compte, voilà, et de là-bas je vais maintenant on me redirige directement sur ce qu'il y a ici. Voilà, donc j'ai reçu le message ici. Voilà, donc une fois que je reçois le message, on me dit you have registered on your website. Your username, mon username, et with the username you can blog on the student information system Oasis. Donc arrivé là, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur l'élément qui est là, Oasis, et ça va me rediriger directement sur le site. Voilà, donc une fois que ça me redirige directement sur le site, je viens de confirmer comme ça
mon compte. Et là, je peux commencer maintenant à faire quoi? À postuler sur le site, à chercher à postuler pour une admission sur le site. Voilà, donc comme je le répète très bien, pour ceux qui vont avoir des soucis de quelques éléments, donc vous pouvez me faire signe. Donc ici on dit restez connecté, cela vous permet de réduire le nombre de fois de vos invités. Ok, ne plus afficher message. Ok, oui. Voilà, donc je vais maintenant rester connecté sur la plateforme et de là-bas je pourrai maintenant, voilà, je pourrai suivre et remplir mes éléments. Ok, donc ici, first name, comme vous le savez déjà, moi je prends toujours des noms qui sont vraiment à part. Donc, si je mets en français, comme ça, vous allez vous retrouver en même temps que moi. Donc, ici, le prénom. Le nom de famille. Ok, donc ici le sexe, homme, la date de naissance, étant donné que je viens pour un master, je vais mettre que je suis né en 2005. Voilà, donc ici je prends par exemple, vous cliquez encore sur ça, 2005, je vais ici. Je vais essayer de réduire. Je vais mettre le 12 5e mois 2005. Ok. Et ici, pays de naissance, Côte d'Ivoire. On va voir. Pays de naissance, Côte d'Ivoire. Ok, ici c'est Cameroun. S'il n'y a pas Côte d'Ivoire, je vais voir Ivory Coast. Voilà Côte d'Ivoire ici. Ok, lieu de naissance, je vais mettre comme ça Abidjan. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez poser des questions dans les commentaires, je vais essayer de vous répondre. Ceux qui veulent intégrer le groupe WhatsApp pour qu'on puisse les suivre, vous pouvez intégrer ce groupe-là, voilà, parce que je ne réponds plus en individuel. Donc, numéro de série ou bien numéro de numéro social belge, vous n'en avez pas. Le titre, c'est quoi? C'est monsieur. Et langue de correspondance, anglais ou bien néerlandais, vous allez prendre néerlandais. Ceux qui ont le certificat en anglais, vous laissez anglais. Si vous pensez que vous n'avez pas de certificat, vous prenez néerlandais parce que lorsque vous allez venir, vous allez faire d'abord une année de langue néerlandaise avant de pouvoir commencer vos études. Voilà, donc c'est un peu ça. Et j'ai compris, j'ai connaissance, et tout ça, vous sauvegardez et vous continuez. Voilà, donc pour la suite, je vais essayer de vous montrer un peu pour ne pas, parce que de toute façon, je n'ai pas de vrai dossier. Donc, je vais vous montrer un peu pour que vous puissiez au moins chercher à postuler et puis voilà. Donc, je vais tout traduire en français. Donc, détail du contact, GSM, plus vous mettez votre numéro ici. Voilà, vous mettez votre numéro là. L'adresse email personnelle est ici. Le Skype est là. Voilà, vous sauvegardez et vous continuez. Ok. Donc, s'il y a des éléments ici, je vais essayer d'expliquer comme ça pour que vous puissiez savoir un peu comment faire parce que c'est la manière de postuler qui importe. Voilà, et comment est-ce que vous allez commencer à postuler, c'est ce qui importe. Sinon, je vais pas aller jusqu'à la fin. Donc, souffrez que je m'arrête là parce que c'est la même chose. Vous allez voir ainsi, et à la fin, vous allez voir soumettre. Vous allez soumettre votre document et c'est tout. Je crois que tout ce qui est là, vous pouvez remplir ça vous-même. Donc, si je mets continuer ici, je vais voir ce qui est un peu devant. Ce qui est un peu compliqué, je vais essayer de l'expliquer. Mais quand ce n'est pas compliqué, si vous pouvez avoir vous-même les informations, ça sera un peu plus facile. Donc, ici,
Entrez votre adresse domiciliaire, indiquez également si vous achetez votre adresse composante. Voilà. Donc ici, vous venez là. On nous dit d'abord de remplir avant de pouvoir continuer. Donc moi, je ne vais pas prendre tout le temps à remplir ce qui est là. Alors, ce que je vais faire, je vais m'arrêter ici. Et ceux qui veulent, lorsque vous allez continuer, si vous avez des soucis, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Voilà, je vais essayer de répondre comme ça pour que vous puissiez continuer. Voilà, donc les gars, je crois que la vidéo est complète. Donc, c'était moi de Samos Pita. Et puis voilà, vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Donc, à plus les gars.